On va être live, il va avoir le knife entre donc la team Devil, je répétais, la team Devil, Alma, Aka, Devil, Walken, Hero, team Hero, Baba Fleur, Lil Ben, Bully Killers et Futins. Et du coup, ça va être au niveau de ce mid qu'on va tenter de sortir les coups de knife. Attention, petit avantage côté terroriste qui vient d'être perdu. C'est du 1v3 et ce sera finalement la team Devil qui va remporter ce premier round. Ils vont logiquement pas en side CT. Ça ne nous surprendrait pas de la part des de bon, je vais essayer de me concentrer un peu plus parce que je suis vraiment fatigué, je suis désolé. On va se lancer donc au niveau de ce pistol round. Côté CT, on va acheter deux Kevlar, peut-être un peu plus. Côté terreau, on va aller 4 Kevlar, on va essayer de décaler au skill. On va voir ce qu'on proposait. Le problème, c'est que j'ai pas la map en fait. Je veux pas voir les joueurs. Donc, alors, on a une agression au niveau de ce BPB. Que les joueurs vont s'en rendre compte. C'est les doubles kills qui est pris de la part de Bully et de Killeuse. Et le BP qui est pris, du coup, c'est facile côté terreau. La reprise, par contre, ne va pas être autant pour autant, je pense. Et Aka qui va se retrouver tout seul. En 1v5, qui va pas pouvoir faire grand chose. En 1v3, pardon. Il a déjà pris un kill. Il y a un joueur à côté, est-ce qu'il va le voir? C'est dans la fleur, va-t-il arriver? C'est bon, il va réussir finalement à prendre la tête. Du 1v2, il n'y a pas de kit, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Il court dans la smoke, il va essayer de. Il cherche quand même, hein. Il s'amuse. Il a vu le joueur, non? Il n'a pas vu à travers la smoke. À voir. Que fait-il? Oh, il allait chercher le knife, c'était le knife de la part. Qui a les knife killers, qui s'en sort avec 43 HP. Mais c'est le round qui est mis de la part de la team Bully. Toujours important ce pistol round, surtout côté terreau, surtout en côté terreau sur Inferno, je voulais dire. C'est quelque chose voilà, qui fait débloquer directement 3 rounds. Du coup, ça force buy. Le cas qui vu qu'il est riche, se permet d'acheter un Nova avec un Kevlar. Il va s'amuser, tenter de faire de l'argent. Nice, mettre sur AK, pas où est-ce qu'il est. J'arrive pas à le trouver, bon, c'est pas grave. On est à 3 à niveau de ce BPB. On peut espérer que les terreaux vont pas trop plonger dessus, ça pourrait être pénalisant. Bully qui a pris un kill quand même. Et c'est la flash de la part de Bully. Devil qui va essayer de se taper, il va réussir à prendre le premier kill. Le deuxième, par contre, il a mis le HP. Bien joué de la part de Devil. C'est du 3v4. Ça va pas être facile, mais c'est faisable. Belle information en plus. Il a pris de l'information. Il va se replacer au niveau de cet appartement, me semble-t-il. Là, il a une bonne vision, il a un bon angle parce que cette position est pas forcément checkée. Et là, il va y avoir du monde. Là, il va y avoir du monde. Attention, là, ça va pas être forcément facile. Il est plus super bien placé. Là, par contre, il va arriver à prendre le deuxième kill. Attention. C'est du 3v3, Devil est très low HP, cependant il est bien positionné, il fait perdre du temps. Il attend le comeback de ses joueurs. Attention, fight contre Lil Ben, il arrive à le mettre quasiment low HP. Hero et Walken qui reviennent. Ils vont réussir, Hero va réussir à prendre une AK, va-t-il la jouer, va-t-il la save? On va voir ça. Et ils se retrouvent en 1v3. Tenter ce clutch, il a pas de kit, je sais pas ce qu'il va tenter. Hero, attention, qui veut avoir la ligne. A-t-il vu? Non, il a pas vu Bully. Il entend du monde. Il va essayer de chercher les exit kills. Hein. Voilà, il a position d'exit kill et maintenant il va partir. Il va partir et aller écho cette AK. Moi je te propose, Mika, c'est que tu te mettes sur la team Bully pour le moment Ouais. de Mumble. Et moi je vais redémarrer mon jeu parce que j'ai un gros bug, je peux pas caster. Bah les deux premiers, mettez H banane là. Pas mort. Le gauche est Contact. normal, vas-y Contact bouge. banane. Attendez, je smoke spawn. Je flash la ligne et go. Elle part. Banane mort. Attention, VPG votre bien. Ah, il y en a un Un autre, B1, attention. c'est un. Il en reste un. Et c'est un? C'est un, c'est un. Il doit y avoir l'autre, Mort, attention. c'est un. Tu prends l'arme, c'est bon. Ok.
J'ai... Et Léon qui remporte de la part de Team Bully, j'ai redémarré mon jeu, j'ai enfin un jeu propre, clair, net, je vais pouvoir caster en meilleure condition. Moi désolé si j'ai un petit freeze à chaque fois que je change de channel mumble, j'ai pas trop le choix, mais bon, c'est pas très grave. Pas très grave. Du coup, c'était le premier round armé de la part des deux équipes, c'est intéressant, ce round là est important, il va falloir le mettre côté terroriste si on veut avoir un round gratuit. Et il faut le mettre de la côté CT pour éviter de prendre un round gratuit. Du coup, on essaie de contester ses appartements côté CT, on met une smoke, on s'avance. Killeuse, attention, qui va traverser ce smoke. Que va-t-elle faire? Ouais. Elle va chercher à l'avancer, elle va peut-être pouvoir prendre un kill de dos, et en effet, c'est le cas. Et du coup, par contre, elle se convainc 1v2. Clutch pour Killeuse. Elle était en 1v3, elle a pris le premier kill. Elle peut le faire. Elle a pas la pompe, mais elle est déjà infiltrée. Elle prend le premier, attention le deuxième, mais elle va pas réussir à le prendre. C'est Vulcan qui va prendre cette ribbon. Et du coup, premier round de la part des CD. Va-t-on pouvoir acheter? Oui, on va pouvoir acheter côté terreau. Peut-être même pouvoir drop. Non, ça va pas se drop, mais de toute façon, chacun va avoir de l'argent. Et on va voir ce qu'on va nous proposer ces deux équipes. On a un sur intéressant. Par contre, deux Mac 7 qui sont sortis, assez intéressant, c'est Inferno, ça s'y prête bien. On va voir comment ils vont l'utiliser. On traverse la smoke, côté bully, on arrive dans un truc. Attention! Et c'est Hero qui a été naïf, par contre Vulcan était bien là pour le revenge, du coup c'est du 4v4. Et c'est ce BPB qui est pris de la part des terroristes, on essaie de rentrer, mais Vulcan va quand même réussir à prendre le deuxième kill. On est bien deny, hein, ça joue bien côté CT. Du coup, c'est pas facile. En plus, Lil Ben est low HP. On va pouvoir trouver des solutions. On décide de rediriger le travail du café. Walken a... et son mate au niveau du stuff a vraiment aidé les CT à gagner ce round. Walken qui se trouve à 20 HP, mais bon, qui a pris 2 kills d'information, c'est pas mal. Walken d'ailleurs qui va se faire punir par Killeuse. C'est du 3v3. Lil Ben qui a 9 HP, on va essayer de rentrer de ce BPA et c'est la bonne solution car il y a 15 joueurs au niveau de ce BPA. On va avoir un contact, on se méfie du pit, mais il est pas au niveau du pit, il est sight. Il est caché. Ah, il peut faire mal. Hein. Ah, il peut faire mal. Attention, s'il n'est pas vu, il peut faire mal. Mais cependant, il a été vu, donc Lil Ben va prendre le kill. Ça va être facile, du 3v2. Attention, Lil Ben est low HP. Ça peut vite tomber. Un Mac à la ligne qui espère qu'un joueur va tomber dedans, mais ça va pas être le cas. Le Mac qui sort. Il a vu qu'il y en avait un pic, il a vu qu'il y en avait un cimetière. Il prend, David arrive à prendre le kill, il y en a un pic, il va falloir aller le chercher. Et après, normalement, ça devrait être bien plus facile. On se doute qu'il y a un joueur au niveau de ce short. Attention, Alma qui va arriver à prendre le kill, David, attention, et le dernier joueur au niveau de la short, il a vu. On n'a pas le temps, on n'a pas de kit côté CT. Du coup, on va fuir. Et les stéros qui vont remettre un quatrième round. Bien joué, de la part des terroristes. Du coup, on va pas pouvoir se permettre d'acheter côté CT malgré ces deux armes économisées. Mais ça va être à Devil et à Alma de faire le taf du coup. Il va falloir. Est-ce qu'on va force buy côté. Non. On va pas force buy, cependant on a deux joueurs armés. C'est ça qui veut faire la différence et c'est ça qui doit faire la différence. C'est la seule façon. Pour cette équipe de gagner, c'est pas les trois dodgers avec les petits pistoles qui vont pouvoir faire quelque chose. Et on a un stack de 4 CT en A. Un joueur tout seul en B, c'est qui? C'est Devil. Devil veut faire mal. Attention, Barbafleur qui va arriver à prendre le kill. Un deuxième kill, c'est normal d'y aller des pistoles. On redirige du coup logiquement en A après ces deux kills. Devil qui va quand même prendre un kill. Barbafleur qui va prendre son troisième. 3v2. Maintenant Devil est low HP, je pense pas qu'il va tenter. Ah, quoique, ça se finit en 1v2. C'est faisable. Je pense qu'il va la tenter. Ah, est-ce qu'il va se mettre? Joli flash. Il va arriver à prendre kill sur Killeuse. Et c'est du 1v1. Lil Ben qui est low HP. Devil aussi. C'est faisable. Se méfie-t-il, attention, s'il prend l'info. Et c'est le kill qui est pris de la part de Lil Ben. 5-1 de la Team Bully. C'est dommage, hein, parce que les rounds se perdent à pas grand chose. C'est des rounds qui se perdent. Alors qu'ils sont serrés, va falloir mettre des rounds côté CT, c'est important, c'est Inferno. Du coup, on va écho logiquement, on va se permettre d'acheter
Un 5-7, un Kevlar, du côté des villes, mais c'est tout. Un gars qui, je pense, va lurk avec son. Va aller se cacher avec son. Comment on appelle ça? Il a réussi à recouper la bombe. Avec son taser, essayer de taser quelqu'un, c'est toujours sympa. Devil qui va se faire un peu taper, qui va finir l'OHP, mais c'est pas très grave. On va essayer de traverser ce smoke, oui. On se faufile, attention. Attention! Vapeur qui va quand même revenge Bully, mais cependant Bully est tombé. Devil qui va prendre un kill, attention. On est en 4, on est en 2v3, c'est dommage. C'était bien parti. Mon Liben a que 2 HP, ça peut partir vraiment très vite. En plus on a des P250. Vraiment précis. Ça va pas être facile quand même. Hein. On va essayer de récupérer une arme au niveau de ce mid. Il y a une AK, on a vu. Pas de jouer, prendre l'AK. Voilà, il rook à l'AK. Il va prendre son premier duel, il va le remporter. Il y en a un deuxième, il y en a un dans le pit, là-dessus le vu. Il pense que c'est au niveau de ce pit là alors que c'est à droite. Il prend la flash. Il va réussir à l'esquiver. Ah, il a pas de kit, hein, ça après. Il va prendre le premier et le deuxième. Il va pas réussir. 6-1 de la part de la team Bully et de la part des terroristes. Ça déroule. Faut vraiment que les CT se remettent dedans, sinon ça va pas être facile. Les Inferno Kidnap qui est très CT, on le sait, c'est pas normal de se prendre 6-1. Il faut que les terroristes se réveillent. On va faire un petit coup côté. On va faire un petit tour côté scoreboard. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut le voir, il y a quand même pas mal de kills hein, côté CT. Enfin, du moins, ça représente pas un scomp. Surtout que les runes, c'est les clutch qu'on perd, c'est les 1v1, les 1v2, les 2v2. C'est dommage. Que sinon, on n'est pas mauvais hein, côté la team Devil. Hein, c'est vraiment, ça se joue à pas grand chose. La HE, le stuff qui va bien permettre de deny. C'est bien joué, Hero qui va prendre des kills sur l'île Ben. Finn qui va quand même réussir à revenge. Attention, il n'y a plus qu'un joueur sur le niveau de ce BP. B, on va essayer d'aller ensemble. On a un joueur qui est caché. Au niveau de ce mid, il va revenir. Attention, c'est Bully qui s'est faufilé. Bully qui va faire un travail, qui va prendre un kill. Et voilà, c'est le cas, il va prendre le premier. Il va pratiquement prendre le deuxième. Il est le HP. Voilà, là maintenant, c'est maintenant que la team Devil doit mettre ce round. C'est un 2v2, c'est un clutch. C'est important. On va pas réussir à prendre un kill avec ce grenade. Les HP sont assez similaires. Devil peut le faire. Un cas aussi. On a des flashs. On se doute qu'il y a quelqu'un. En flash instant, on sort. Attention, on a pris l'information. On a vu que le joueur était C3. On va essayer d'aller le chercher. Ah là là, le strip d'eau qui a pas réussi à Devil. 1v1 cependant. Devil et le HP, il a pas de safe. Si, il récupère les flashs. Il va se prendre une tête cependant. De la part de Baba Fleur. Du coup, bah, 7-1. C'est logique. Il faut absolument que les CT rentrent dans leur game. C'est important, ils doivent marquer des points, ils sont sur le easy side. Il faut qu'ils mettent des points maintenant. Côté scoreboard, on peut voir que c'est pas comme sur les maps précédentes, que bah, Devil et Bully sont pas largement au-dessus. 9-7, 8-6. Il laisse par contre Canon Fire, qui est le 10-4. Bien joué. On va essayer de contrôler tranquillement ce map. On sait que les joueurs sont en écho en face. D'ailleurs, c'est Devil qui va essayer de prendre un kill sur l'île Ben. Avec son 5-7, qui va profiter d'ailleurs, dans ma faire, qui va profiter de se lancer ce smoke pour prendre un kill. Cependant, c'est Volken qui va le revenge. Volken qui peut aller chercher la K, qui ne va pas le faire. C'est curieux. Il a peut-être peur qu'on l'agresse. 2v3, attention, Bully qui a plus que 10 HP, ça part vite les HP, ça part vite. Ça va pas être facile. 2v3, en plus on a deux joueurs au niveau de ce BPB, c'est ce BP là, on va essayer de prendre. Killus qui va prendre en plus les balles de dos. Les deux joueurs, attention, on a bloqué le HP, et voilà, c'est le deuxième round mis de la part de la team Devil qui va finalement le mettre avec des pistoles. C'est curieux. En tout cas, bien joué de leur part. Maintenant, il va falloir dérouler. Et d'ailleurs, là on voit que les rounds étaient très serrés, c'est malgré le fait qu'il y avait 7-1, il suffit de perdre un seul round pour mettre la team Bully en écho, force buy, du moins en petit achat. C'est-à-dire que vraiment tous les rounds étaient serrés et qu'il n'y a pas eu. En 7 rounds, la team Bully n'a pas réussi à se créer une économie. Du coup, normalement, ça doit être un logique round pour la team Devil. Attention, ça traverse la smoke, on peut essayer de voir. Et puis tous les joueurs qui sont low HP, il ne reste plus que 2 joueurs. Il y a qui joue avec la truc qui va pas réussir à prendre le kill. C'est du 2v3, attention, c'est quand même. C'est Tech9, hein, c'est que Tech9 a une puissance de feu Nunaka, donc bah, c'est assez puissant.
D'ailleurs, on va prendre encore une fois un kill. C'est du 2v2, c'est serré. On a un joueur de notre surprise et un joueur sur l'épée. C'est Bouli qui va tomber. Il va rester que Lil Ben en 1v2 pour essayer de mettre ce clutch et mettre un gros coup fatal à la team des villes. Mais non, ce sera Almasra qui sera présent pour aller chercher la tête de Lil Ben. 7-3 pour la team Bouli. Bien joué de la part de Alma. Il va réussir à récupérer cette tête. En tout cas, ce petit rush Tech9 qui a fait son effet quand même. Hein. Tech9, on sait que c'est puissant et on n'a pas hésité à s'en servir côté terroriste. Et du coup, bah, on a planté la bombe. Donc, on va acheter voilà, quelques pistoles, mais vraiment pas de quoi s'affoler. Il n'y a même pas de Kevlar casque. C'est juste pour le genre. On va essayer de prendre cette banane. On va essayer de jouer rapidement. On a des pistoles. Par contre, c'est Devil qui, avec son agression avec la WAP, qui va aller punir. En plus, il a dû prendre l'information qu'il y en avait beaucoup. Alma qui attend. On va stuff. On essaye de prendre. Cependant, c'est entendu. Là, c'est entendu. Ça va revenir, je pense. On met une smoke. Mais un trousseau. Le premier tour est passé. On va réussir. Ouais, non, on va se faire défoncer. La smoke qui aura fait son taf. Hiro qui va prendre le quadruple kill. C'est quoi? Ouais, du coup on va faire bah, Switch Channel, on va aller voir la team des villes, on a vu Bully tout à l'heure. Ils font un mini bash B, ils retournent dans le mid après et ils retournent dans le B, ils font que ça. Pourquoi tu recules pas direct le bleu? Ça respawn dans le T là, ça va peut-être off. Voilà. Ça se votre cul. Y'a un qui est mode KGG. Je sais pas quel. Nice. Ah, WAP, le B. J'ai pas. Il avance. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Que je bloque. Un piscine. Juste. Ok, 2, 2, 2, 2. Ils sont devant. Y'en a un qui pose barbecue. Un qui rentre site mort. Un banane, je crois encore. Barbecue et banane. Je vous attends. Je prends peut-être spawn. Ah oui. Jardin, bobine. Chasse jardin au-dessus. Vas-y. À part. Derrière vous. Ah dans le cul. Lol. Je vais spawn CT. Il va rentrer en ruine. Oh ouais, je sais pas. Là, pas de gros. Et du coup, c'est le round qui a remporté de la part des terroristes. Les deux joueurs qui se sont un peu percutés dans la smoke ont tenté des trucs. Et ça a été à l'avantage du terreau. Lil Ben qui a réussi à gagner son clutch pour donner un round à son équipe. 8-4 de la part des terroristes. On est reparti de ce 13ème round. Et c'est l'agression de Devil qui va permettre de prendre un kill sur Bully. C'est un kill important. Et on va repiquer. Il a vu qu'il y avait la bombe au mid. Il va reflash, redécale. Oh, il a presque le kill. Ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose. Et d'ailleurs, Babafleur qui va être un peu greedy, qui va se mettre dans la ligne de Devil. Devil qui va en profiter pour prendre le kill. On va mettre la smoke. C'est pas une smoke buggée, ça? Oui, c'est la smoke buggée. Ça. Il va arriver à voir, il va voir aucune personne. La bombe qui est partie de notre BPB. Attention, Lil Ben qui va prendre la tête sur Hero. Y a Alma. Alma doit faire son taf. Là, il va arriver à prendre le premier. Pas le deuxième, mais c'est du 2v2. C'est bien joué de la part de Alma. Devil et Walken contre Lil Ben. Devil qui aura pris le kill sur Killeuse. On peut jouer ensemble au niveau de. Au niveau de ce BPB. Je vais mettre sur Lil Ben. Ben qui va essayer de gagner du temps. C'est pas facile. Faut qu'il aille chercher les décals. Du côté CT, de toute façon, on avait un kit. On pouvait prendre le temps. Et du coup, c'est Walken qui va prendre la tête sur Lil Ben. 8-5 pour les terroristes. Du coup, il va nous rester plus qu'un round, deux, non deux, il va nous rester plus que deux rounds avant le changement de site. J'ai hâte de voir ce que va nous donner Team Devil en terreau. Ça peut être sympa. Et on va faire un petit achat côté terreau, hein. On va, enfin sinon on se met passer une écho plutôt. Une écho, on s'est permis d'acheter quelques pistoles, des Eagles, un Tech9 et deux P250.
par contre Devil va dire prendre les deux énormes têtes sur les trois têtes de la part de Devil, c'est tellement facile. Il sait qu'il y a un joueur qui est là, attention, non, il a pas vu le mauvais timing. Ce n'est pas grave, il a entendu, il sait qu'il y en a un, il va le chercher. Quatrième kill de la part de Devil, tête le ace, en plus il lance à HL où il y en a un. C'est boule, c'est boule. Et non, c'est quand même ça, le Mac qui va le finir, du coup pas de ace pour Devil. Pendant c'était quand même bien joué. Ça va permettre de racheter quand même. Côté terreau, je vous dis qu'il va pouvoir jouer qu'avec un Tech Knight, c'est pas beaucoup. Le Tech Knight peut faire des miracles, mais après, c'est déjà fait. Ah non, quand même, il va réussir à avoir une AK. Donc, pour moi, on a dû lui drop, c'est pas Baffler qui va jouer la Tech Knight. Ça va, on a quand même pas mal d'armes, on n'a pas trop de stuff, ça pourrait même agression de la part de Devil qui va prendre le kill sur Bully. On sait qu'il y a des joueurs au niveau de ce deuxième mid, on va aller les chercher. Le kill a été pris, sécurisé, on a la bombe. J'ai un petit bug au niveau du serveur. Donc je vois pas grand chose, voilà c'est du 2v2 et du coup Babafleur pour ce clutch 1v1 il peut le faire hein. Caca la ligne. Et c'est finalement Babafleur qui va finir le joueur avec un triple kill de sa part alors qu'à la base c'était Kotech 9. Bien joué de la part de Babafleur. 6-9 du coup pour Devil ou 9-6 pour Bully et on va changer de suite de site. D'accord, okay, si tu veux. Bah, du coup, je propose d'aller directement là, on va aller voir Bully. Ok, si tu veux, si tu préfères. Attention, c'est la greffe de cette banane, ils sont tous là. Et cependant, c'est pas Futin, c'est Babafleur qui n'ont pas réussi à faire le tas. Le BBB qui est pris. On va planter la bombe. On a un peu l'impression de voir le même gun run qu'on a vu tout à l'heure. Il s'est exactement passé la même chose, sauf que bah, c'était les équipes adverses. Avec l'agression de Devil, c'est l'agression de Bully. Du coup, Bully qui est en avec 4 qui va pouvoir faire un seul 1. Et d'ailleurs, c'est le ace de la part de Devil. Gros travail de sa part qui a pris le ace au pistol. Vraiment, vraiment impressionnant. Voilà, du coup, on va aller dans le mumble de la team à Bully. Oh fuck, un bûche qui avance, deux qui avance avec la bombe, 4 bananes, voire plus. On va le faire. Y'en a 4 pour l'instant. Un smoke c'était. Le 2. Un bâtard. Bien, Kiki. Je l'ai pas. Non, non. Tu l'as pas. Tu te le cache. Dommage. Et Bully qui a mis son nez, cependant, bah, ils ont perdu le rang. Je sais pas s'il avait vraiment le temps et qu'il avait pas de kit, mais il a voulu aller chercher la carte. Peut-être c'est ça qui l'a fait perdre le round, c'est un peu dommage. En tout cas, c'était bien joué, joli Ace de sa part. Dommage qu'il n'ait pas eu la diffuse après. Là, du coup, on fait une déclic en B côté Team Devil. On va essayer de rentrer sur ce BP. Il y a deux joueurs pour défendre. On va voir. Babafleur qui va prendre son premier kill, qui va prendre le deuxième à la tête. Et du coup, Tevin qui va prendre le revenge, c'est du 3v3 BP pris. Avantage pour la team Devil. Globalement, pas la même chose. Attention, les équipes qui s'en sortent mieux en terreau, bizarrement, malgré le fait que ce soit Inferno. Ouais, on va essayer de sortir là. Attendez, il y a bien 3 joueurs qui auraient 3 positions différentes, c'est intéressant. Ouais, ça va tomber, Killus qui va être en 1v3, ça va être facile, et qui va se prendre la tête pas avoir de la part de Walken. 9-9, match qui reste quand même très serré. Par contre, ouais, la team Bully va pouvoir du coup acheter, en écho le round précédent. Et voilà, moi je te propose de partir sur la team Bully. Non, Devil du coup. La flash vodka. Vas-y.
Go go go, je spawn. Go go go, je flash, retournez vous, go go go. On se le voit plus. En pleine. Attends, c'est quoi cette allez, 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 spawn, allez, spawn. Contact. Oh fuck me. 40 HP. Super. Quelle fin round de Devil qui a quand même réussi à prendre triple kill. Il aurait pratiquement pu prendre le ace et mettre le round. Cependant, bah, Futin s'est cliqué la tête plus vite que lui. Du coup, bah, c'est le 10ème round qui est donné à la team Bully. Et on prend les Tech 9 côté Terro. Et même un Deagle dans les mains de Devil. Moi, ça me fait plaisir. Je vais voir ce qu'on a proposé Devil avec ce Deagle. C'est l'agression, regardez l'agression de Baffler qui va arriver dans le dos. Va faire plus mal, attention, c'est Hero qui est un peu en retard, qui va faire tomber la bombe. Cependant, c'est pas facile de la part des terreaux de perdre des rondes. On a l'air de perdre la bombe bêtement comme ça. Alors on ferme entre deux smokes, on essaye de push. Par contre, c'est du 3v3. Hein. C'est du 3v4 côté terreau. Côté CT, on n'a pas beaucoup plus d'armes, on a exactement la même configuration. Il a pas vu, ok, il n'a pas vu. Système, il a vu, il a pris l'information. Lil Ben va prendre le premier kill. Cependant, Devil va arriver à Revenge. 2v2 et on est pas armé côté CT. Attention, il y a un joueur là. Devil qui s'est fait surprendre. Jolie agression de la part de Bully qui va prendre double kill. Bien joué de la part de Bully d'avoir s'être aperçu que les joueurs faisaient le tour pour se rapprocher. Ça a permis de faire gagner le round clairement. Le move de Bully. Donc on est dans le 21ème round. On est à Chan des deux côtés. C'est un round important. Faut se remettre dedans. Devil doit prendre ce round si elle veut pouvoir se remettre dedans. On essaie de prendre l'agression au niveau de la banane encore une fois. On prend cette banane côté terreau, on la deny, ça marche bien le B donc on continue. Cependant, bah, c'est les lâcheux de Babafleur qui va faire mal à Hero. Et même le tuer, j'ai envie de vous dire. Et on va déclencher encore une énième fois Babafleur en plus. Par contre, c'est l'OHP, ça peut se faire. Cependant, voilà, le bon anti-step de la part des CT vont complètement deny les terroristes qui vont rien pouvoir faire tout simplement. 12-9 côté CT. On commence à dérouler côté Team Bully. Il va falloir aller côté Devil, Team Devil. Du coup on prend un taser dans les mains d'Akin et va essayer d'aller chercher de taser, j'imagine. J'aime bien, moi. J'aime bien quand les joueurs prennent leur taser et se mettent dans un coin. Je trouve ça toujours amusant. Parce que quand les mecs qui se cachent avec les Max 7, c'est sympa. Bref, agression de la part de Baffler au niveau de ce de banane. On voit qu'il y a personne, donc on se permet d'avancer. Il va avoir un contact, il va prendre la tête sur des villes. Il va continuer à avancer. Du coup, il sait que l'agression se passe en A. Bonne prise d'information de la part de Baffler. Il va continuer à push, il va être un peu greedy. Voir ça a marché. Ouais, l'information qui est prise de la barre de la fleur est énorme là, ils savent que c'est pas en B, que les appartements ont dû être pris. Attention, ils doivent entendre peut-être du bruit. Ça décale, prendre le kill, c'est une écho de son côté terreau, la bombe est en visu et on continue. La fleur qui va prendre encore le double kill et c'est du 1. C'est du 5v1. Wakan Kane en son dos. La fleur qui va faire le ace. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, ils étaient en écho, mais en tout cas ça restait quand même beau. Babafleur qui carry sa game, qui est devant Bully pour vous dire. Et Devil par contre qui fait un travail énorme. 36 kills, 23ème round. Vraiment bien joué. Poulaka, côté terreau, on s'embête pas avec des AWAP. De toute façon, c'est. Je sais même pas si on a l'argent et en plus c'est Inferno. Faut pas qu'on ait l'argent. On
joue moins cette banane hein, quand même. Hein. Depuis le début, on n'a pas arrêté de prendre cette banane. Au début, ça marchait. Cependant, là, ça marche un peu moins bien. Du coup, on repart sur des contrôles, des choses un peu plus basiques. C'est Bouli qui est tombé quand même. Hein. Donc, c'est du 5v4, toujours faisable. On essaie de prendre des informations côté terreau. Et de réfléchir à la suite logique du round. On a les informations du thé, on se moque. On va regarder notre short. Un joueur au niveau du pied. Le kill va être pris, attention, il y a un joueur qui est killeuse au niveau de ce truc. Elle va arriver à prendre double kill, c'est bien joué de sa part. Triple kill, elle fait carrément le round. Et elle est en zone 2v1. Elle fait bien, attention parce que si elle tombe avec Baba Fleur contre Devil. Bon, on va se mettre sur l'écran de Devil. Devil qui va courir sur le BPB, c'est bien joué de la part de Devil, bonne vision de jeu. Et il va pouvoir poser tranquillement cette bombe. Au niveau de ce BPB, que fait-il? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Il va prendre le premier kill, attention, il y a la deuxième. Bâtir réussit à l'avoir, il prend son knife. Il est un peu confiant en lui, hein, Devil, hein, mais peut-être un peu trop, il lui reste 8 secondes. C'est vraiment un beau play de la part de Devil. Hein. Ce qu'il va faire, il va décaler, prendre le kill. Voilà. En plus, c'est une tête. Oh là là, mais Devil, qui est bien trop beau. Ce que je te propose, Nicolas, c'est de repartir sur Mumble de Bouli. Ouais, c'est parti. Tiens, je vais lâcher. Je vais aller B, début drone là. Je vais off. Au cas où si je meurs, vous serez deux. Ouais. Gardez votre stuff là, je vais stuff en premier. Bon. Je joue safe au pire, je joue agressif tout seul. Ah, je suis trop con. Je vous ai smoke. Il faut savoir que j'étais un mec en. Ils vont peut-être activer A là. Baka au pire, Futins. Ouais. Ça passe en A. C'est bien, c'est bien. Le HD, le 4-2, 3. 4 ouais. BP. Ça pose derrière la caisse carton. Oh merde. Et on se moque plein. Ouais. Alors j'ai peur au cafard derrière moi. On a un BP, un vers choc je crois. Un petit. Équipé là, équipé là, tu vois. Ouais, non, vaut mieux écho. Go écho. Un devant le pit, un BP. Gourmandise, gourmandise. Deux qui vont short. Les trois qui vont short. Oh, moi je suis en mec greedy de toute façon. Oh là là. Deux qui meurent. Ça s'est pas joué à grand chose ce round. Hein. Les joueurs terroristes qui étaient très low HP. D'ailleurs, on a deux qui sont morts à cause de l'explosion de la bombe. Et on a réussi quand même à écho. On a réussi à écho. Infamas et. Et un. Il me semble. Non, une AK, pardon. Une AK et une AWAP. Côté CT, c'est toujours ta surprise. C'est vraiment utile. Et l'agression, par contre, des CT dans cette banane qui va pas du tout être payant. Devil qui va prendre le double kill. Et du coup, on déroule et on avance. Et finalement, on repart. Attention, il y a un joueur au niveau de ce mid. C'est Lil Ben qui va quand même réussir à prendre un simple kill. Et Akin qui va décaler Devil. Attention, je pense que ça peut coûter le round là. Sans dire que c'est le gars. 2v1 qui fait un travail impressionnant à la WAP. Elle va garder la ligne. Et c'est Walken au niveau de, qui peut faire ce clutch. 1v2. Attention, elle a eu l'information. Il va mettre une tête, mais ça va pas être suffisant pour la tuer. Elle va finir avec 11 HP. Bien joué de la part de Kios qui a fait un travail monstrueux. Devil qui a 42 kills, qui est beaucoup, beaucoup trop chaud. Bouli par contre qui est 3ème de sa team. Hein. Bouli qui arrive pas tant que ça. Hein. Par rapport à Devil qui fait un peu carrière monstrueux. On agresse le mode semi, attention, killeuse à l'information. Elle a vu. Elle a son main qui est devant, c'est vers la fleur, en plus à son max 7. Il voit qu'il y a du monde partout, il sait pas vraiment où aller, il va prendre quand même le kill sur des villes, il voit qu'il y en a un autre. Et attention, ça va être le draw qui va être donné à la team Bouli. Baba Fleur qui fait de l'argent. Hero, le dernier en vie, qui est
tout seul. Ça va pas être facile. Il va peut-être arriver à prendre ce kill. Ouais, il va prendre la tête, il va arracher la tête, mais il va avoir bah, un Max 7, ce qui est pas non plus impressionnant. Et Kidos qui va prendre les kills contre Hero. Le draw qui est donné pour la team Bully, 15-11. Bien joué de la part des deux équipes. Bon, non, ce n'est pas fini. Round de la victoire. Si Team Bully la met, ce sera bah, un partout, vu que t'as l'impression que la Team Devil qui a gagné. Donc, ouais, c'est ça. Du coup, chaque joueur va regagner sa map. Attention, c'est SD Click B qui va être lancé. Cependant, oui, voilà. Oh là 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 là. Qui va arriver à prendre Fuzins, qui va prendre le quadruple kill. Fois qu'on peut déjà sortir le GG, il va être un HP. Et c'est la win de la part de la Team Bully. Bien joué. On va re-aller avec tout le monde. Putain, ce qui a fait un quadruple kill magnifique à la M4. C'est vraiment puissant. C'est ça qui a fait gagner le dernier round. Du coup, Nick, on se rejoint tous. Ouais, ouais. Bien joué tout le monde. Du bon potentiel dans mon équipe. Bravo, bravo. Très très beau match. Bravo. J'aurais pu. Ça fait mieux. La communication. Bravo Boulier. Ça parlait pas. Bon. Mon potentiel dans l'équipe. Chambé et tout, on était perdu quoi. Lil Ben très solide. Boulier 3ème hein. Au niveau des kills. Ah bah. Ah, quand t'as des mecs solides, c'est bien. Ça veut dire que t'as pas chambé tout ça. C'est vrai que ouais, dans ce qu'il y avait du niveau, ça fait plaisir. Surtout le niveau était encore une fois assez équilibré quand même, il n'y a pas eu un storm. Ouais, c'était pas mal. Ça qui était sympa. Bon, bah merci tout le monde, je vais devoir y aller pour une prochaine fois. Moi, merci à toi, je parlais bien dans la map, hein, désolé. Mais... Ouais, ciao, merci, merci. À toi, bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Salut à tous. Et ça, t'en sera quand même un passage. T'as dit quoi, S? Qui me parle? Toi, je sais pas, j'ai pas entendu, t'as dit un truc. Non, non, c'est Anto qui sait que les stats étaient sur Vacarme. Ah, okay. Allez, je suis en train de voir. Vous allez dans la fiche de match et vous aurez les stats de l'e-bot. J'avais dit ça que je vais jouer avec Anto. Ah, je préférerais Anto à Kakin. Ah, pareil. T'as dit quoi? Non, non, rien. Non, j'ai vraiment pas entendu. Ah, bah j'ai rien dit, j'ai dit que t'aimais bien. Ouais. Moi j'ai compris, t'étais naze, mais après. Ah non, j'ai pas dit ça. Je trollais. Bon, moi je vous propose de rendre l'antenne du coup. Oh ouais, on va arrêter là. Quelque chose de particulier. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir passé la soirée avec nous, c'était sympa. Merci bonne d'avoir soirée, répondu présent. Ouais, c'est bien amusé. Bonne soirée à tous. Et à bientôt pour un prochain pick-up. Allez, ciao. On vous aime. Ciao les mecs. Salutations. Bonne soirée. Ouais, salut. Salut tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Au revoir.